Re tout le monde, on est reparti pour la suite de Zelda Majora's Mask. Dites-moi si vous m'entendez, mais normalement oui. Alors, j'ai failli faire une connerie, j'ai failli revenir dans le temps pendant la pause. Sauf que j'avais oublié qu'on avait juste on a un dernier truc à faire au marais avant de partir vers la montagne. Genre dans 3 minutes on est à la montagne, c'est sûr. On va juste aller ici. Ensuite on va déposer nos rubis et ensuite on revient dans le temps et on part à la montagne. Pourquoi tu choisis Majora en particulier? Parce que j'avais très envie de me remettre à Majora, parce que c'est un jeu qui, à mon sens, est trop sous-coté par rapport à Ocarina of Time. Ah, je dis pas qu'il est meilleur qu'Ocarina of Time, je dis juste qu'il est sous-coté par rapport à Ocarina of Time. Donc voilà déjà. Et puis ouais, je sais pas. Ah, et donc là il va. Ah, mais oui, c'est ça. Là il va me dire un truc du genre: ah, désolé, tu arrives trop tard. Le concours photo est terminé. Oh, oh. Mais si tu as un beau cliché, je sais pas quoi, il va me dire. Non, c'est pas ça. Ah, si par hasard tu viens me montrer une photo, ça me fait mal de dire le concours est fini. Ah, il faut que je te dise, la croisière pose une nouvelle attraction. Mais donc, du coup, je n'ai vraiment pas compris. Mais alors, en fait, du coup, il y a eu un bug la dernière fois. On est d'accord. La dernière. Parce que moi, je sais que. Le nombre de fois où j'ai eu. Attends. Hein ? Le nombre de fois. Bon, écoutez, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans cette histoire. Le nombre de fois où j'ai eu. Vous savez, le. Comment on appelle ? On va se téléporter. Où j'ai eu le quart de cœur grâce à ce. À cette photo. Et là, la dernière fois qu'on lui a montré, ça n'a pas marché, donc j'en sais rien. Écoutez, on s'en fout un peu, c'est pas grave. On est à 6 cœurs, on est bien, on se téléporte. Ouais, c'était un bug hier, du coup. Ok, bah merde. Bon, je voulais retenter là, mais. Pas grave. C'est pas comme si tu as fait la connerie de reculer dans le temps sans voir la fée. Quoi? Je suis allé la voir, la fée, qu'est-ce que vous racontez? Je suis allé la voir juste avant la fin du live, je suis allé la voir. Alors, on va juste déposer nos rubis et on est parti. Hey Sifano, je t'emmène des pancakes fait maison pour les Geek Days de Rennes. Faut voir Coris, en fait le problème, moi j'ai pas de problème hein, à recevoir de la bouffe, c'est juste que en général ça se conserve très mal. Donc bon, à moins que je les bouffe dans le week-end quoi, tu vois, mais bon. Donc en général, évitez de m'amener de la bouffe si vous pouvez, ou alors des trucs sous vide quoi, mais et voilà, des trucs fait maison et tout, c'est plus compliqué. J'essaye à chaque fois mais c'est ah non, c'est bon, pas grand chose en fait. N'hésitez pas à repartager le lien du live, tout ça, comme d'hab. Hein. Quelle est ta musique préférée dans ce Zelda? Je sais pas, j'en ai plein. Peut-être l'autre de l'appel, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, donc là on revient dans le temps, mais on ne perd pas tous les masques qu'on a eu, mais on ne perd pas ce qu'on a fait dans le temple de. Aidez-moi. De Bois Cascade. Ou bref. Je te ramène dans un Tupperware. Ouais, mais même Corée en général, c'est ce que les gens font en général, mais ça se conserve assez mal, quoi. Tu peux essayer, hein, mais voilà. Par expérience, c'est pas que j'en veux pas, par expérience, quand les gens ont fait ça, souvent, le temps que ça arrive à la maison, c'était dans un très mauvais état. C'est avec la chaleur, le train, tout ça. Je suis même plus rapide pour la montagne et par la porte nord. Oui, bah on y va. Merde. Voilà. Oui, j'ai ralenti le cours du temps. Pourquoi tu l'as pas sur YouTube? Parce que j'ai un partenariat avec Twitch. Voilà, on a 4 minutes de stream. Et on est parti. Donc c'est bon, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Pire, je ramènerai pour Sobra et Happy. Ils sont à Rouen, Sobra et Happy. What the fuck, mais ils habitent à Marseille. Ok, voilà, très bien. Why not, du coup. Alors, j'ai juste besoin d'une flèche. Une seule petite flèche. C'est bon. Hop. Puisque, pour aller là, il faut que je fasse quelque chose. Hop là, on va venir ici. On va venir là. Attention au gros dodongo là. On va éviter de trop les.
Je vais te trouver touché. Est-ce que vous savez pourquoi le motif de ce bouclier est différent des autres? Je l'eus su. Je sais plus s'il y a une raison particulière ou pas, mais je l'eus su. Mais je ne le suis plus. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Hop, tire. Une première fois, ça l'abîme. Et une deuxième fois, ça le brise. Parfait. Alors, je sais qu'en général, à toute la, tout le cheminement pour arriver jusqu'à... J'ai oublié les bombes. J'ai oublié les bombes. Je crois. Il me faut forcément des bombes. À moins qu'il y ait des choupetteurs, je sais plus. Attends, j'ai un doute. Il me faut des bombes. Tu oublies Camaro. Mais je l'ai déjà fait, Camaro, les mecs. Je l'ai fait hier. Putain, il me faut des bombes. Ah, sa maman! Sa maman, putain, j'ai zappé ce détail. On retourne à Bourg-Clocher. Heureusement qu'on a fait la vieille. Ah mais non, le con! Oh, le con, j'ai le masque! Ah! Tu as le masque bon gré? Oui, mais le décalage Twitch, on adore. Ah, le con! Ah! Bon, dans tous les cas, ça va m'être utile, les bombes, hein, donc on va aller les acheter. Mais, ah, le con, j'ai complètement zappé que j'avais le masque. C'est pas un réflexe pour moi de l'utiliser, ce masque. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on va en avoir besoin des bombes, donc allons les acheter. Je vais retirer un petit peu de rubis. Je sais pas combien ça coûte, donc on va aller là. Bonjour. Je vais te retirer des rubis. Retirer des rubis. Bien. Je veux t'en retirer 73. Parce que comme ça, ça fera 300 piles. Voilà. Ok, le magasin de bombes, il est là. Alors. Bienvenue. Je veux t'acheter 10 bombes, 30 rubis. Vous ne pouvez rien acheter si vous n'avez pas de sac de bombes. Comment j'ai un sac de bombes? Ah mais il est là le sac de bombes. Oh putain, il est à côté. Je suis fatigué moi. Hop, sac de bombes, 50 rubis. Voilà. Et du coup j'ai pas assez. Hein, il y a des bombes déjà de base? Ah, il y a 20 bombes offertes. A bientôt. Il y avait un bombe offerte, hein. Oui, c'est ça. Tu peux pas les prendre, tu as remonté le temps. Mais si, je peux les prendre, regarde. Non, ça débloque. Ça débloque le truc, ça, vous inquiétez pas. Bon, voilà, comme ça, ça nous sera forcément utile, de toute façon. Petit retard à l'allumage. Donc, j'étais en train de dire, juste avant de capter pour les bombes, qu'en général, le cheminement pour arriver au temple, je le connais moins par cœur que le cheminement de bois cascade. Et puis il est plus long aussi. Donc, je sais pas si on y arrivera aujourd'hui. Hein. On va voir. Ce serait bien qu'à la fin de cette partie, on arrive devant le temple. Ce serait bien, mais... Vu ce qu'il y a à faire, ça me paraît... Ah, il faut voir. Attends, ne soyons pas trop défaitistes. Je sais qu'il faut... Enfin, je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais... on verra. De toute façon, là, on a fait. En fait, au début, vraiment, au début, on a pris le temps pour faire là, tous les trucs un peu secondaires et tout, pour que les indispensables, comme j'ai appelé, plus des quarts de cœur et tout. Là, mais là, maintenant, on va un peu moins s'y attarder, quoi. Donc voilà. Je me mets où dans le jeu. Je vais en direction du deuxième temple sur 4. Hop. Voilà. Merci bien. Et on arrive du coup dans une zone de neige. Ta zone préférée dans Majora's Mask? Je sais pas, je les aime toutes bien aussi. Vraiment, alors je sais que je suis chiant à pas avoir de préférence forcément, mais je les aime toutes bien, quoi, je vous jure, c'est vrai. Hein. Je les trouve toutes très sympas. Tu arrives jusqu'à quelle heure? Aucune idée, il est 15h30. On a le temps, hein. Jusqu'à 20h. 20h, j'aurais fini le jeu. Non, j'exagère. Village dans la montagne. Alors, il y a des choses à faire ici, mais ça sert à rien de toute façon qu'on s'y attarde maintenant. Ça sert à rien, donc on va avancer. Pour le moment, on va se contenter d'avancer. Il faut qu'on aille au village, en fait. Enfin, pas celui-là, un autre village. Et une fois qu'on sera au village, on pourra voir certaines choses. Heureusement que c'est pas les bombes rondes de Breath of the Wild. Sinon, tu aurais pas pu passer la zone sans que les bombes roulent. Tu sais que j'y ai pensé. Quand j'ai lancé la bombe, j'ai dit, est-ce qu'elle va rouler? Genre, ça c'est un réflexe de mec qui a trop l'habitude. Ah, Tingle! Surtout que vu que je suis dans ta zone... Tu devrais me le vendre pas cher, non, dans la carte.
va me la vendre pas cher la carte, c'est sûr. Limé comme si. Voilà. Hey. Bonjour. On pourrait parler. Je voudrais parler. Voilà. Oh là là. Allez. Oui mais tu me l'as déjà dit tout ça. Alors qu'est-ce que tu vends? Vas-y. Pique des neiges. Voilà, c'est bon. Parfait. Tadam. A bientôt. Tingle, tingle, coulolimpa. La bouille à tingle. On adore la bouille à tingle. Ce sont les mots magiques, ne les vole pas. T'inquiète. Allez, donc. De mémoire, je sais ce qu'il faut faire. Hein. Là, il faut que j'aille voir hein, je ressorte, puis il va y voir le machin. Voilà, vous savez, hein, normalement. Mais donc voilà, nous sommes au village Goron. Et pareil, en fait, pour l'instant, je m'y attends pas trop parce que... pareil, ici, d'ailleurs, il y a le titre de propriété qui est, je crois... qui est là-bas, tu vois, pour un quart de cœur. Mais bon, il aurait fallu que je refasse tout le cheminement et tout, donc là, ça commence à être un peu long. Vas-y, je veux entrer. Ouvre la porte. Après, voilà, comme je vous disais, je ne peux pas non plus faire semblant de ne pas connaître. Hein. En gros, faut que j'aille là-dedans. Enfin, en fait, pour aller dans ce temple, c'est un peu plus complexe que l'autre. C'est qu'il va falloir faire tout un cheminement pour débloquer quelque chose qui va me permettre d'aller dans le temple. Donc en fait, et le truc c'est que pour l'instant, si vous voulez, sans trop spoiler, même si bon, je pense que vous avez vite compris, hein, ceux qui connaissent pas. Quand je suis arrivé dans la zone des mojos, j'avais le masque mojo. If you know what I mean. Donc j'avais accès un peu à tout. Donc si tu comprends ce que je veux dire, pour l'instant je peux pas avoir accès à tout. Je peux pas dire autrement. Je peux pas le dire autrement. Bonjour le bébé qui pleure. Voilà. Ah mon papa, j'ai froid, papa. Allez voilà, donc il veut son papa. Donc maintenant qu'on a fait ça, en fait, il fallait juste lui parler pour déclencher l'event. Et maintenant que j'ai déclenché l'event, normalement, si je me trompe pas... On va voir. J'ai fait les choses dans le mauvais ordre. Voilà. Quand je vous dis que j'ai fait les choses dans le mauvais ordre, il faut d'abord que j'aille là en fait. Et là, je vais avoir, voilà, c'est ça, le hibou. Bon, ah, quoique, pas forcément dans le mauvais ordre. Il est à côté. Comment se retrouve enfant des fées? Mes statues ont-elles été utiles? Bien, il semble que tu aies la force de changer les choses dans ce... Ah d'ailleurs, j'ai pas tapé les statues d'hibou, faudra que je le fasse, comme je m'y attendais en fait. Mais la route devant toi est encore plus dangereuse, de nombreuses épreuves t'attendent, tu dois t'occuper du sort des Gorons. Leur pays est maudit, il est condamné à être envahi par le froid. Oui, parce que de base, les Gorons, c'est pas trop la neige, hein, plus le feu. Il va devenir un pays dévasté où rien ne pourra survivre. Il te faudra du courage et de la détermination. Enfin, plus la montagne, quoi. La dure. La détermination pour surmonter les épreuves terribles qui t'attendent. Si tu peux faire appel à ce qu'il y a de meilleur en toi, alors seulement. Veux-tu essayer? Oui. Ouhou, tu es un enfant plein de ressources. Très bien, peux-tu vraiment pouvoir changer la destinée de la montagne? Je vais m'envoler dans les cieux. Non, en fait, il fallait que je fasse ça. Il fallait que je fasse ça. Il fallait que je fasse ça. Et lui, maintenant, va m'aider. Donc, c'est bon, j'ai fait les choses dans l'ordre. Par contre, je vais éviter d'utiliser le masque du lapin. Là, je vois des gens qui en parlent en plus. Tu les dialogues tellement vite à chaque fois. Donc regardez, c'est assez fou, croyez-le ou non. Mais ça fonctionne. Oui, il y a des choses invisibles. Nous sommes... Alors ça, bon... Oui, je vais réessayer, mais je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise mon masque du lapin. Dans ton classement, déjà celle-là. Mais j'ai pas de classement, les amis. Arrêtez à chaque fois de me demander des classements, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, à chaque fois, je vais trop loin. Ok. Mais là, c'est chaud. Go. Ok. Go. Mais c'est impossible. En fait, ça va pas tout droit. Non, disparaît pas! Oh putain, sa mère. Oh putain. J'ai été trop lent. C'est bon, ça passe. Ok. Youhou, j'ai maintenant la preuve de ton inébranlable courage et de détermination inflexible. Ne sois pas trompé par l'apparence des choses, fais confiance à ton intuition. Entre dans le temple, tu trouveras un objet. Oui, ça y est, on est déjà au deuxième temple, voilà. Non, pas du tout. Tu vas sauter plus vite, ce sera plus simple. Ouais, mais en fait, j'avais peur de sauter trop loin avec ça.
Je sais pas, toujours peur de ça. Ce skill sur 20, t'as vu ça. Et donc là-dessus, nous allons avoir. Oui! Le monocle de vérité, regardez au travers pour voir les secrets invisibles à l'œil nu. Et ça, c'est génial. Sa vision enchantée utilise de la magie. Donc. Hop. En gros. Regarde, tu le vois? Là, il y a un coffre. En gros, ça montre les choses invisibles. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y avait une ombre à côté du hibou. Je dis ça. Juste comme ça. Il y avait une petite ombre à côté du hibou. Et d'ailleurs, ça permet aussi maintenant de révéler certaines choses. Ce qui explique, voilà. Ceci explique cela. Et donc en fait, ils étaient en diagonale, c'est bien ça. Ils ont fait des blocs en diagonale, je me rappelais même plus. Oh putain, voilà, ça c'est vouloir aller trop vite, c'est vouloir faire le malin, encore une fois. Voilà pourquoi le masque du lapin. Hein. J'ai glissé, chef. Mais quoi? Genre, mec, à un moment donné, il faut courir, monsieur, il faut sauter. Tu vois pourquoi le masque du lapin? Parce que le masque du lapin, il me fallait tellement loin. Ok, calme-toi, calme-toi. Oh, calme-toi. Et là, oh mon dieu, vous l'avez vu. Regardez ce qu'il y a là. Un esprit goron. Oh, voilà qui est étrange, tu peux me voir. Si tu peux vraiment me voir, alors suis-moi. On est parti, on te suit. On est parti. Suivons-le. Suivez ce fantôme. Juste un fantôme, y a pas de souci. En vrai, j'ai pas besoin de regarder, je peux le suivre comme ça. On est trop lent. Alors là, là c'est la partie lente. Quoique, est-ce que j'ai pas moyen genre de le doubler pour arriver? Je sais plus, mais dans le doute, on va aller à son rythme. Les gorons, c'est les meilleurs. J'aime bien les gorons aussi, ouais. Je préfère les auras. Mais j'aime bien les gorons. Non, on t'esquive. Pas besoin d'utiliser le monocle de vérité, hein. On est bien. On est bien, là. C'est quoi ta deuxième licence de jeu préféré? Oh, mais pourquoi vous voulez me faire faire des classements de tout? Je sais pas. Je sais pas, j'en ai plein. Ça dépend ce que je recherche. Aïe. Si tu fais Song of Storm, tu peux avoir de la magie infinie pendant un moment. Ah ouais. C'est vrai. Il passe par là? Normalement il passe par là. J'espère qu'il va arriver. Putain, je suis allé réellement plus vite que lui. Me dis pas ça. Oh là 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 là! Juste parce que je suis rentré dans la porte avant lui. Oh le relou! Il est là vraiment? Oh là là! Oh monsieur! Le chiant! Bon bah ça va être long hein! Voilà, c'est le moment FAQ, allez-y hein, les gars, parce que là. Faut y aller, pas de bol. Ah ouais, mais j'ai l'impression qu'il m'arrive que des trucs comme ça depuis le début là. Pas de bol sur 20. Ton arme préférée dans le jeu, c'est l'arc. Jeux olympiques d'été ou d'hiver? D'été. Pourtant, j'adore l'hiver, j'adore le ski et tout, mais d'été. Je préfère les Gerudo. Pikachu? What the fuck? Je connais le génocide des Sheikas. Je connais masse théorie sur Zelda, donc c'est possible. Là, dit comme ça, ça me parle. Ça m'évoque un truc, mais sans plus. Alors. D'accord, allez. On va y arriver. Donc là, il va être de l'autre côté. Voilà. Je te suis. Alors qu'il y a un monstre à côté. Mais je te suis quand même. Aouh! Eh là, il va plus vite là! Bah voilà! Tu vois quand tu veux. Enfin, plus vite. Vite fait quoi. On le laisse passer devant. Alors. Attends, j'attends qu'il s'arrête avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Je préfère vraiment faire ça.
Tu sais, parce que sinon... Et là, maintenant, il y va. Et donc là... Go. On est à la fin, et là, il va falloir que je me concentre. Attention. Là, en gros, voilà, regardez, il y a une échelle géante là-dessus. Ça, c'est génial. Et du coup, en gros, il va falloir que je... Il faut que je le suive là-bas. Comment oses-tu? Laisse-moi monter. Bah alors. Merci. Ok. Oh putain. Pourquoi est-ce que je peux pas passer? Est-ce que tu veux au TGS? Je veux au TGS Spring Break. Merci. Alors, on grimpe. Alors là, maintenant, il faut savoir le bon chemin. On va éviter de faire de la merde. Je dirais ici. Ouais. De mémoire, c'est ça. Là, je dirais à gauche. Ouais. Après, je sais plus. Après, je ne sais plus du tout. Droite. Oui, droite. Incredible. Et là, je crois qu'on est arrivé. Ouais, magnifique. Et il est là. Yo. Allez, rentre dedans. Parfait. On est bien. On est bien, on est bien. Et donc là, il est là. Il faut qu'on lui parle. Si je l'enlève, des fois, c'est pour éviter d'user trop de magie. Mais alors? Oh putain, parle-lui. Voilà. L'oiseau qui monte dans le ciel m'a dit qu'un être qui peut me voir arrivera bientôt. On dirait que sa prédiction va se réaliser. Je suis Darmani le troisième, l'essence de Fier et Valeur Goron coule dans mes veines. C'est pénible pour moi de dire ça, mais Darmani était un nom qui évoquait le courage et la vaillance. Enfin, quand j'étais en vie. Oh oui, quand j'étais en vie, on avait compris. Mais hélas, je fais maintenant partie des défunts, mon nom n'est plus que souvenir et regret. Tout se passait bien, je faisais route vers le pic des neiges, espérant vaincre le démon qui s'y était caché. Il a répandu le chaos et la désolation dans le village Goron, mais le blizzard, souffle divin et glacé, m'a jeté dans la vallée. Pardon. Mon cœur est plein de rage, excusez-moi, c'était vraiment malvenu. Dans cet état, je ne peux que regarder le village Goron se faire ensevelir sous les glaces, mon trépas est sans repos. Tu peux utiliser la magie, celui qui vole dans le ciel me l'avait dit aussi. Je t'implore donc le hibou, ramène-moi à la vie avec ta magie. Si c'est au-delà de tes pouvoirs, alors je t'en prie, essaie d'apaiser mes souffrances. Je ne sais pas par quel moyen, mais s'il te plaît, soigne les douleurs de mon cœur. Oui, pas de soucis. Avec le plus grand plaisir. Attention. On a entendu la petite musique au début, donc on sait que c'est ça qu'il faut faire. Vous allez jouer le chant de l'apaisement. Voilà. Quelle mélodie apaisante. Mes souffrances s'évaporent au rythme serein de cette douce musique. Parfait. Triste. Voilà, la musique de l'apaisement est belle aussi. Le chant de l'apaisement est belle aussi. Et beau aussi. Et du coup, bah voilà, hein, vous l'aviez compris. Le masque Goron, le deuxième masque qui va nous permettre de nous transformer dans le jeu. Je te laisse mes vœux immortels. Les exploits que j'ai accomplis sont gravés sur la pierre froide de ma tombe. Tu dois les lire. Vous obtenez le masque Goron, ce masque contient l'esprit d'un valeureux héros Goron. Portez le masque avec C pour vous transformer en Goron. Bien sûr. Et ça c'est cool. Et du coup on va un petit peu arrêter de se servir de la peste mojo pour l'instant. Donc en fait on va peut-être arriver à aller au...
Oh, bon, vous voyez où il se met, donc vous comprenez sûrement les masques qui transforment. Hein. On va peut-être arriver à aller au temple aujourd'hui, je sais plus. Tadam. Et voilà le goron. Oh, le goron. Donc le goron qui peut faire plein de trucs, il peut donner des coups. Boum. Boum. Qui peut rouler. Et ça, c'est génial. Et qui peut également, si je dis pas de conneries, hop, écraser. Bim. Voilà, donc il peut faire plein de trucs. Et surtout, on peut pousser ça. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse un truc. Tu avances vite. Je me rends pas compte, j'ai pas l'impression de rusher pourtant, c'est juste que je connais le jeu. Alors. Je pense, enfin, déjà, faut voir un truc. On va prendre cette source d'eau chaude. Ah, j'adore parce que mon clavier s'est éteint. Voilà. Hop, c'est bon. Je pense, enfin, il nous prendra moins d'épisodes que mes deux let's play, sans compter le hack et celui en nuit de crône, mais les deux qui sont en rediff. Tiens, toi on va te libérer. Ah super. Aïe. Je pense qu'il nous prendra moins d'épisodes, mais déjà parce qu'on fait des épisodes plus longs, donc forcément. Du coup on va le libérer. Voilà. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh tout va bien mon frère, tu étais gelé mais le grand Armani t'a sauvé. Le grand Armani? T'es pas bien, tu dors debout ou quoi? Non mais tu l'as pas entendu, le grand Armani est mort il y a longtemps. Oh mais Darmani, ça m'a surpris aussi, mais c'est génial que Darmani soit encore en vie. Vraiment? Espoir René, il va sauver le village Goron. Un souffle depuis le pic des neiges, très bien. Donc en gros, là j'ai fait un truc mais en fait ça ne sert à rien. Par contre ce qui nous intéresse, surtout c'est ceci, d'en reprendre pour aller libérer quelqu'un d'autre. Hop. On va le faire. Heureusement que je connais, c'est vrai que sinon ça peut être long mais. Alors attention, est-ce que ça va passer ou pas? Attention. Go. Pas du tout, je vais tomber dans l'eau. Ça passe. Des fois tu tombes dans l'eau et en fait le goron ne survit pas à l'eau, il faut le savoir. Le goron n'aime pas l'eau. Donc bon. Par contre là la source d'eau chaude qui reste chaude alors je suis dans l'eau glacée. Oui. Oui je joue à la manette. Tout à fait. Allez, on est reparti. Donc regardez, dès qu'on consomme de la magie, attention. Yeah, ça c'est trop stylé. Et ça permet d'aller tellement vite. Oh, c'est tellement la vie. Oh oui, je défonce tout. J'aime ça. C'est l'œuvre magnifique, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut faire dans l'histoire, il y a plusieurs choses. Bon déjà, là, il y a un truc que je pourrais libérer. Il y a des choses en haut, mais ça sera pour plus tard. En revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est de libérer ce truc. Voilà. Et de là... on le dégèle. Putain, d'habitude, mais je m'étonne moi-même de mon efficacité sur ce let's play, parce que des fois je faisais des allers-retours inutiles en mode ah j'ai oublié et tout. Bonjour. Oh, qu'est-ce que je faisais? Ah, il est déjà si tard, je dois me dépêcher. Non mais, excuse-moi, genre. Oh, c'est toi, Darmani. Mais tu es censé être mort, j'hallucine. Ça doit être de la faute de cette magie qui est en action au pic des neiges. Je crois que je deviens vieux, trop vieux. Mais c'est impossible, je refuse de céder à la sénilité, je vais me concentrer et tu vas disparaître. Quoi? Mon petit-fils tout né pleure parce que je lui manque. Et voilà, d'où l'intérêt d'être allé parler au gamin. Je crois qu'il n'y avait pas besoin d'aller parler au gamin. Enfin, j'aurais pu enclencher tout ça, mais il aurait fallu que j'aille parler au gamin parce que le fait que j'ai parlé au gamin, ça a déclenché le fait que je lui raconte que son gamin pleure. Voilà, donc on a tout fait vraiment dans l'ordre, putain c'est ouf. Comment tu sais ça? Mon petit-fiston me manque. Pardonne-moi mon fils, ton père a du travail. Darmani, que tu sois une illusion de mon imagination ou que tu sois réel, ça n'a plus d'importance. Si tu ressens de la pitié pour mon petit-fils tout né, alors chante-lui doucement cette berceuse pour qu'il s'endorme. Écoute-la bien, je vais la jouer avec mon tambour. C'est la même mélodie que je te jouais quand tu n'étais qu'un petit goron. Le tambour, regarde-moi ce beau tambour. Comment ça commence déjà? Laisse-moi la jouer encore. Il s'en souvient plus. Chaque fois je me dirais plus qu'on dirait son arrière-grand-père que son fils. Oui c'est vrai. Non c'est pas bon, je me souviens que du début. C'est pas grave.
Je vais juste apprendre le début. Voilà. Alors. Ah oui, donc regardez notre super instrument, c'est vrai que je l'ai pas montré. En gros, notre instrument, c'est un bon gros tambour. Ton, 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 ton. Je trouve ça malsain, genre à son âge, il est un bébé. Oh, tu te... Ne soyez pas si... si arriéré. S'il a trouvé une petite jeunette, je sais pas. Vous avez appris l'intro de la berceuse. La mélodie apaisante d'un père bienveillant. Parfait. Non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que mes doigts sont gelés, il fait tellement froid. J'ai oublié... Ah, le con. J'ai oublié de taper sur la statue du hibou tout en haut. Va falloir du coup que je remonte. Ah, le con, j'ai oublié. Ouais, voilà, vouloir aller des fois trop à l'essentiel, on zappe certains trucs. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, à part pour ici, pars-toi. Au pire, on s'en fout. Casse-toi. En vrai, à part pour ce... Je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a un quart de cœur là-dessous? Si c'est un quart de cœur, il faut que j'aille le chercher. Sinon, tant pis. On verra. Du coup, ce qu'il faut faire maintenant... J'ai même plus besoin de lui, en vrai, regarde. Ce que je peux faire, je crois, c'est ça. Ça marche. Hop. On y retourne. Et à partir de là... On n'a plus qu'à lui jouer sa berceuse. Papa est arrivé. Enfin, papa, entre guillemets. Hop. Voilà. Tan, 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 tan. Et voilà. Il va se calmer. Cette chanson, c'est la chanson de mon petit papa. Je vais chanter le reste. Voilà, parfait. Je vais chanter la prochaine partie. C'était pas beaucoup. Hein. Je veux juste entendre mon papa, mon papa. Regarde. Mon papa, mon papa. Voilà. Une source chaude. Ouais, il y a la source. Il y a juste une source chaude. Hmm, pas de casser le rocher qui. Ouais, ça, ouais, je sais, t'inquiète. Mais je me rappelle plus ce qu'il y a là dans le petit... Bon, on va peut-être le faire, vu qu'on est bien en termes de timer, là. On va peut-être le faire. De mémoire, il y a genre 0 quart de cœur dans la partie gelée. On va voir. On va juste faire ce qu'il y a là, alors. Là, il y a un truc important à faire. Donc on a la musique, et ça lui permet de dormir. L'intro de la berceuse est devenue la berceuse des Gorons. Cette mélodie berce et calme ceux qui l'écoutent, rendant leurs paupières lourdes de sommeil. Voilà. Et grâce à ça... Alors c'est vrai que là, à la limite on pourrait se dire, mais comment ça se fait que grâce à ça... Parce que là en gros on a... Enfin... Ah, j'ai plus de bâton mojo. Grâce à ça on a ce qu'il faut pour aller au temple. Grâce à ça, on a ce qu'il faut pour aller au temple. Mais c'est vrai qu'on pourrait... On pourrait se dire, ouais, mais... comment on sait qu'il faut aller au temple là, tu vois ça... C'est peut-être le... Peut-être le défaut, je dirais, mais bon. Alors, attendez. Hop, on va tout allumer. J'ai vraiment été assez rapide. J'ai vraiment été assez rapide. Ouf. Parfait, donc ça se met à tourner. Dans un des trucs, il y a quelque chose qui m'intéresse avant de partir. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un truc facile à avoir. Donc, avant d'aller au temple, on va faire ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je viens d'arriver. Eh bien, bonjour à toi. N'hésite pas à follow la chaîne Twitch. À faire un don. Et à... et à sub. Et ensuite, plus tard, tu iras sur la rediff et tu laisseras un pouce bleu.
Donc, on va se remettre là. Et on est parti. Go! Pas du tout. Voilà. Donc là, ça va être la partie un peu relou. Il va falloir qu'on vise bien. Et juste. Attention. En vrai, j'ai pas besoin d'aller si loin. J'ai pas besoin d'aller si loin. Je sais pas pourquoi je vais si loin. J'ai clairement pas besoin. Attends, on va le refaire. De toute façon, à la fin de la partie, on est dans le temple. Donc. On va se mettre là. Là, normalement, ça devrait suffire. Vu qu'il... Ouais, vu qu'il rame là-dessus. C'est bon. Et de 1, c'était pas le bon. C'était pas le bon. On va recommencer. J'aimerais bien avoir de la chatte là-dessus, mais... j'y crois moyen. Alors. Non. Maintenant. Toujours pas. Non, c'est pas un quart de cœur. C'est pour, sans trop en dire, c'est pour avoir un masque. Secondaire, mais un masque quand même. Bon, voilà. C'est bon. Je l'ai vu tomber là, non? Je l'ai pas vu tomber là? Ah bah non. C'est terrible, c'est affreux. Mais il se moque de nous. Impossible. Je vais tous les faire bientôt. Pas possible. Allez. S'y remet bien. Merci. Voilà. Et donc ça, je vais en avoir besoin. Donc ça, ceci, ça peut paraître très bizarre. C'est un gigot. Voilà, c'est un gigot. Et vous direz, eh, pourquoi? On va le donner à quelqu'un. Devant, on est passé devant très rapidement, mais on lui a pas parlé. Par contre, du coup, là, je suis obligé de me refaire tout le chemin. On lui avait pas parlé. Du coup, on va aller lui parler pour avoir un masque et ensuite on va au temple. Je suis content, vraiment. Je pensais pas qu'on ferait ça en une partie, tout ça. Mais en fait là, ça s'est bien goupillé. C'est pas si long en fait quand on connaît, qu'on goupille bien. Ça va. J'aurais pensé que ça nous aurait pris plus de temps, tu vois. Un bon gigot de pierre, un gigot de caillasse. Oui, c'est pas un gigot d'agneau, c'est un gigot de pierre, tout à fait. Les gens qui connaissent le précisent. Je vois que j'ai affaire à des connaisseurs parmi vous dans le chat. Très bien. Et là, on peut voir qu'il y a un coffre là-dessous, n'est-ce pas? Mais pour l'instant on peut pas l'avoir. Vas-tu faire la course des gros? Bah c'est après, donc on verra. Ah Tugena. Il avait des doigts. Je sais pas si je fais une troisième et dernière partie ou pas en fait. Je vais voir. On se serait fait deux temples en un live. C'est quand même. Surtout que ce temple là il est un peu plus usant moralement, donc Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, je vais voir. Regardez ça. Le monsieur a froid. Oh, par ici, par ici. Je suis désolé de vous appeler de si haut, mais j'ai tellement faim que je pourrais manger un arbre. Et je suis coincé ici. Tiens. Cadeau pour toi. Oh oui, c'est ce que je veux. Une véritable bavette de pierre des cavernes d'Odongo. C'est mon plat favori. Béni soit ce repas. Oh, je me sens tout revigoré. Attends, je descends. En fait, il aurait pu faire ça depuis le début, mais bon, passons. Oh, je me demande qui ça peut être. Mais c'est Darmani, tu es vivant. Oui, je vois, c'est pour ça que tu connaissais mon plat préféré. Ou j'allais oublier, accepte ce cadeau en remerciement. Et voilà, on a un petit masque en passant.
masque de Don Gallo. C'est le masque de Don Gallo, le chef de la chorale des grenouilles. Il est si bien fait que personne ne pourra douter que tu es bien le chef du chœur des grenouilles. J'espère que le printemps va bientôt arriver. T'inquiète. Donc, rappelons-nous, on est arrivé au début du... au début de la nuit du jour 1. Et là, on est... il est que 13h. Donc, en fait, on a été plus rapide. C'est ouf. On a été plus rapide que chez... Allez, ça marche pas, ça. Que chez les autres. Assez incroyable. Assez incroyable. Bref. Du coup, on va venir là. C'était l'endroit où on n'était pas allé. Et on va aller au temple. Donc pour aller au temple, il nous fallait évidemment le masque Goron. Donc là, maintenant, vous êtes chaud parce qu'en gros, on va pouvoir passer que dans des trucs comme ça. Alors là, c'est possiblement des fails en vue. Hein. Je le dis. Voilà. C'est souvent des fails en vue. C'est parce que le skill est présent que tu es plus rapide. Je sais pas. Possible. C'est vrai qu'on s'en sort pas trop mal. Ça passe. Easy, c'est passé. Il faut une emote fail. Ah, exact, une emote fail, il faudrait. Et donc là, voilà le temple. Avec tous les objets qu'il nous faut. Déjà, on va faire ça. Voilà, comme ça, on active cette partie. Tout, 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 tout. Et en fait... qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est, ma foi, très simple. Si tu fais ça, tu t'aperçois, eh bien oui, qu'il y a un Goron géant et que c'est lui qui nous empêche de passer. Il souffle de la glace et en gros, si on s'approche, vous voyez, regardez, quand il crache comme ça, voilà, on se fait repousser dans le vide. Donc on peut pas accéder au temple. Temple qui, soit dit en passant, est très stylé. Du coup... attends, je veux m'en souvenir. Tant. Et là, pas loin, il y a un quart de cœur. Ah oui. Où ça? Il y a une grotte, mais je sais ce que c'est, mais... on va voir. Pour l'instant, au final, on arrive à faire un épisode dans la zone et un épisode le temple. Mais après, à partir du moment où on va arriver à la troisième zone, c'est impossible qu'on fasse ça. Je vous le dis, d'un point de vue narratif, c'est impossible parce qu'il y a une sorte de... sans spoiler, mais il y a toute une grosse partie à faire avant. Donc c'est impossible. Puis à partir de là, on va commencer à en chier complètement. Donc voilà. Là déjà, si on arrive à passer là, c'est... voilà, c'est un miracle. Alors ça, j'y arrive pas, moi. Alors tu me diras, pourquoi s'emmerder? Alors que je... pourquoi se faire chier alors que je peux passer... je peux... y a rien qui m'oblige à aller vite, là. Y a absolument rien qui m'oblige à aller vite, je peux y aller normal, hein. Je sais pas, c'est mon côté chiant. Ok, go. Là, par contre, il y a besoin. Il est où le quart de cœur ici? Vous dites qu'il y a un quart de cœur. Là, ici, c'est la fontaine des fées, si je dis pas de conneries. Oui, voilà. Donc, il faudra pareil de ramener des fées. J'ai un énorme lag. Il y a pas de lag pourtant. Et. Après, quart de cœur? Non. Pas ici en tout cas. Je pense pas. Oh, j'ai plus de magie, merde. Ça, ça va poser problème pour monter. Il faut faire de la magie. Non, là-dedans, il doit y avoir des boules de magie là-bas. C'est sûr. Voilà. Oui, j'ai touché le chèque. Oh mon dieu! SD Chachaz! Yop, comment tu vas? Ça va et toi? Merci beaucoup. Même si là du coup je n'y vois plus rien. Ah d'accord, très bien. Mais merci beaucoup. On voit rien là en fait, mais en fait j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Ou juste pour ça peut-être. On l'a raté, genre en mode, ok. Allez go. Go à l'intérieur. Ok, parfait. Et donc nous sommes
à l'intérieur du second temple. Temple du Pic des Neiges, si c'est pas beau, j'ai envie de vous dire. Bien. Bien. Bien, bien, bien. On va. Vous allez vous barrer, s'il vous plaît. Genre, vraiment. Hop là. Hop là. Bien. On va, je pense... Putain, je me tâte. Le truc, c'est que j'ai envie de continuer un peu, mais en même temps, j'ai pas la foi de vous refaire encore une heure, là. Parce que le temps de celui-là, il est plus long et il est plus compliqué. Ce serait genre le truc des Gorons de maintenant, je te dirais go. Mais là, le temple... Moyen. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, pour ce stream. Peut-être qu'il y aura un stream Fortnite random qui popera dans la soirée. Suivez-moi sur Twitter ou followez la chaîne Twitch, on verra. Mais voilà, sinon on aura quand même fait bien 5 heures de live en 2 jours là, c'est quand même beau, c'est pas mal. Mais ouais, là je vous avoue, je suis un peu... j'ai besoin de me... j'ai besoin de me poser un peu, je suis désolé, mais voilà, puis j'ai encore du boulot, d'autres trucs à faire. Mais c'était sympa, c'était sympathique en tout cas, merci d'être venu. On se retrouvera très prochainement, de toute façon les redis vont arriver, on se retrouvera très prochainement pour faire la suite. Il me reste Dragon Ball FighterZ aussi à vous finir, et Pokémon, j'ai absolument pas oublié, il y a les redifs Mario qui arrivent. Voilà, tout... Tout y va bene, tout y va bene. Bref, merci beaucoup d'être venu, merci à tous les dons, merci à tous les subs, merci à toutes les personnes qui ont donné les conseils, merci à tout le monde. Je mets 5 minutes de pub à la fin comme d'habitude, merci à ceux qui resteront. Je vous dis à très vite, ciao ciao.